Que vaut l'avancement maximum de cette réaction acide-base? Alors, tout simplement, l'eau étant en excès, l'avancement maximum va être donné par le réactif en défaut, qui est l'acide bazoïque. Donc, C0V0 moins Xmax égale 0, ce qui nous donne pour Xmax, Xmax égale C0V0. On fait l'application numérique qui nous donne Xmax est égal à 10 moins 3 mol. Bon. Que vaut le taux d'avancement final? Ben, le taux d'avancement final, c'est toujours le rapport de X final, c'est-à-dire X équilibre ici, divisé par Xmax. On peut diviser le tout par le volume de solution, ce qui nous donne le taux d'avancement final qui est égal à X équilibre sur V0 divisé par Xmax sur V0. Bien. Que vaut Xmax sur V0? Ben, Xmax sur V0, ça vaut tout simplement, hein, d'après cette équation, Xmax sur V0, c'est C0. Que vaut X équilibre sur V0? Eh bien, X équilibre sur V0, c'est tout simplement la concentration en ion H3O+. Donc, on a le taux d'avancement final qui est égal à la concentration en ion H3O+ à l'équilibre divisé par C0. On peut faire l'application numérique pour taux. H3O+, c'est 10 moins pH sur donc C0, c'est-à-dire 10 puissance moins 3,1. 10 puissance moins 3,1 divisé par C0 qui est égal à 10 moins 2. Ça fait donc 10 puissance moins 1,1. Conclusion, le taux d'avancement est inférieur à 1, c'est-à-dire X équilibre n'est pas égal à Xmax. Autrement dit, la réaction est limitée. Elle n'est pas totale. Elle ne serait totale que si l'avancement à l'équilibre était égal à l'avancement maximum.